Hello, ici Boss Temat. Je te propose aujourd'hui de répondre à cette question. Quel triangle parmi le triangle bleu et le triangle orange a la plus grande aire? Tu vas voir que la réponse est étonnante. Et je vais te proposer de le faire en deux méthodes. On va d'abord regarder le triangle bleu. Et pour calculer son aire, on va appliquer la formule de Héron d'Alexandrie qui dit la chose suivante. En géométrie euclidienne, la formule de Héron qui porte le nom de Héron d'Alexandrie, permet de calculer l'aire S d'un triangle quelconque en ne connaissant que les longueurs AB et C de ses trois côtés. Voici la formule, S égale racine de P fois P-A fois P-B fois P-C, avec P qui est en fait le demi-périmètre de notre triangle. Donc ici, on va d'abord calculer le demi-périmètre de notre triangle en additionnant ses trois côtés, donc 13 plus 13 plus 10 et en divisant par 2. Cela nous donne 13 plus 13, 26, plus 10, 36. Et 36 divisé par 2 est égal à 18. Donc l'aire de notre triangle bleu, on va appliquer la formule de Héron, est égale à racine de P, c'est-à-dire 18, fois P-A, c'est-à-dire 18 moins 13, fois P-B, c'est-à-dire 18 moins 13, fois P-C, c'est-à-dire 18 moins 10. Voilà, je mets une grande racine carrée. Cela nous donne la racine carrée de 18 fois 18 moins 13, 5, fois 18 moins 13, 5, fois 18 moins 10, 8. Cette multiplication est égale à 3600. J'obtiens donc racine de 3600. Et donc l'aire du triangle bleu est égale à 60. On passe maintenant à l'aire du triangle orange. Donc l'aire du triangle orange, je vais l'appeler S' et je vais appliquer la formule basique, base fois hauteur divisé par 2. En prenant comme base le côté qui mesure 24 dans notre triangle, eh bien, on va avoir besoin d'aller obtenir la hauteur qui est ici que je vais appeler H. Alors, pour calculer cette hauteur, je vais appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc, le théorème de Pythagore me dit ici que le plus grand côté au carré, c'est-à-dire 13 au carré, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc, H au carré plus le côté qui est ici. Et en fait, comme mon triangle ici est isocèle, eh bien la hauteur est en fait une médiane. Et donc, ici, j'ai la moitié de 24, c'est-à-dire 12. Donc, dans Pythagore, je vais avoir ici plus 12 au carré. Cela me donne 169 égale h au carré plus 144. Donc, h au carré sera égal à 169 moins 144. C'est-à-dire h au carré est égal à 25. Et donc la hauteur h sera égale à la racine carrée de 25, c'est-à-dire égale à 5. Donc ici, je reviens au calcul de mon aire. Je vais donc appliquer la formule base, on a dit qu'on prenait la base qui mesure 24, fois donc la hauteur associée ici qui mesure 5, et on divise le tout par 2. 24 fois 5, c'est égal à 120, on divise par 2 et on obtient donc comme R 60. L'aire du triangle orange est égale à 60. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que ces deux triangles isocèles qui ont comme côté en commun 13 et 13, eh bien on a l'impression que celui qui a une plus grande base aura une plus grande aire que celui qui a une plus petite base. Eh bien en fait, on vient de prouver que ces deux triangles ont la même aire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu, une petite cloche, ce que tu veux pour m'encourager. Et je te dis à très bientôt sur Boss Temat. Bye bye!